La plénitude. Ce sentiment nous provoque un bien-être très important. C'est un bien-être dans lequel nous avons l'impression que tout va bien. Quelques clés pour que vous puissiez prendre soin de cet état. Et vous rendre vraiment plein pour vivre cette plénitude. La première chose très importante, c'est évidemment la respiration. Prenez soin de votre respiration, augmentez l'amplitude et pensez à respirer surtout dans les moments où vous avez l'impression que voilà, votre respiration s'accélère, vous n'avez vraiment pas le temps là tout de suite. C'est le contraire, à ce moment-là qu'il faut vraiment faire attention. Une autre clé très très importante, c'est le mouvement. Aller marcher, ne serait-ce que vraiment juste marcher dans une forêt ou dans un endroit qui vous plaît beaucoup, dans un parc, ou bien juste faire un tour de votre quartier, peut vous aider à vraiment vous sentir très très bien. Vous mettez en mouvement tous vos cellules et votre esprit, votre cerveau, il adore bouger, il adore voir des choses nouvelles pour les analyser, s'adapter. Il est fortement stimulé à la nouveauté. Une autre clé qui peut vous aider à vous sentir bien, à vous épanouir, ce sont des rencontres. Il n'y a pas, meilleur remède à un bien-être qui est très rapide et accessible, c'est appel à un ami pour juste échanger, bavarder. Et d'un seul coup, en quelques minutes, vous vous sentez vraiment rempli d'énergie. Donc, vous êtes proche de cet état de plénitude. Ici, dans votre vie quotidienne, vous surveillez, vous mettez en place toutes ces clés. Vous allez augmenter la qualité de votre vie. Attention à votre fréquentation en général. Choisissez des personnes qui vont vous faire réellement du bien. Vous allez parler d'un sujet qui vous stimule, qui vous intéresse. Ne fréquentez pas les personnes qui sont lourdes, négatives, qui vous déchargent leur mal-être. Vous n'êtes pas leur thérapeute. Vous êtes un ami et nous avons des amis pour partager du bon temps. Certes, on peut épauler un ami de temps en temps, parfois, mais pas lorsque ça devient une habitude. Donc voilà. Et il est parfois même nécessaire de changer le cercle de votre ami, de vos amis, si vous sentez que ce n'est plus quelque chose qui vous correspond. Sachez que chaque mot qui est négatif ouvre en vous un dossier. Un dossier qui sera lourd, qui vous ne sert vraiment à rien. Prenez soin de votre entourage. Une autre clé, c'est de prendre réellement soin de votre corps. On a besoin de toucher. La clé, ça peut être massage. Faites-vous régulièrement masser. Une fois par mois, ça serait top. Si vous avez l'impression que c'est trop coûteux, vous pouvez aller nager ou en plus d'être massé, aller nager, aller dans les spas et dans les piscines, vous trouvez aussi de plus en plus souvent des jets d'eau qui peuvent vraiment masser tout votre corps et ça fait réellement réveiller votre peau, bouger et ça amène un bien-être très très important.
Donc voilà, ne vous arrêtez pas non plus. J'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Dépassez-vous, investissez sur vous et une entrée dans une piscine peut coûter seulement 3-5 euros. Une autre clé très 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 chouette, c'est danser. Danser avec une musique qui vous plaît, qui vous stimule, bougez votre corps librement. Ça permet d'accéder aussi à une créativité plus importante, et la créativité vous aide à vous exprimer et est aussi une clé très importante. Dessiner, chanter, prenez des cours de danse, écrivez, faites quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui où vous dites, voilà, depuis tout petit, toute petite, je rêve de ça. Faites quelque chose, jardinage, plantez des tomates sur votre terrasse. Trouvez cette expression. La créativité est une clé importante de notre bien-être, de cette plénitude, expression de soi. Une autre clé, c'est regarder des beaux films ou bien des sketchs. Ça peut être un film romantique, un film d'action, peut-être science-fiction, ou bien un film d'amour ou une comédie. Vous avez peut-être déjà entendu que les gens malades d'un cancer ont pu guérir. Ils partagent qu'ils ont regardé beaucoup beaucoup de sketchs ou de films très positifs, romantiques, ou bien ces films où on est mort de rire. Voilà, le rire, c'est quelque chose qui nous donne la pêche, la patate. Il nous permet très rapidement de se sentir dans ce bien-être très très important, la plénitude. Une autre clé, c'est avoir votre intérieur, et là je parle plutôt de la maison et pas votre intérieur, votre maison bien rangée, organisée. Faire le ménage peut être une très belle activité pour vous sentir bien. C'est comme une méditation. Ranger, arranger, nettoyer votre maison peut vous aider à ranger, arranger votre intérieur, vos pensées, accéder à quelque chose de plus calme, plus structuré. Et surtout, n'hésitez pas à libérer. Jetez ce que vous utilisez plus, ce qui vous pollue, ce qui vous rappelle peut-être des souvenirs pas très heureux, et transformez votre maison pour qu'elle soit vraiment bien et que vous ayez envie de rentrer, de passer du temps, de créer et inviter les amis. Une prochaine clé, ça concerne tout ce qui est vos vêtements, pour les femmes, maquillage ou les accessoires. Allez regarder, est-ce que tout ce que vous avez dans le placard vous correspond encore? Est-ce que ce sont les choses stockées dedans que vous portez? Ou est-ce que c'est parfois des pièces que vous avez achetées et vous avez même plus? Vous ne savez même plus pourquoi elles sont là. Et on va jusqu'où les sous-vêtements. À quoi ressemblent vos sous-vêtements, hommes comme femmes? Il faut qu'on se sente vraiment très très bien. Il arrive encore parfois qu'on néglige ce qui est entre guillemets sous nos vêtements. Donc allez vraiment jusqu'à ce détail, vérifiez si entièrement vous êtes de tête aux pieds, vous êtes vraiment bien. Vos chaussures, vos chaussettes, est-ce qu'elles sont encore de bonne qualité, et est-ce qu'elles sont adaptées
à vos chaussures ou le pantalon. Donc voilà, on va vraiment dans les détails. Il est très très important de faire attention pour se sentir complètement à l'aise, bien dans ses baskets. Une prochaine clé, ça serait la méditation, yoga, côté spirituel, les lectures. Que faites-vous? Est-ce que vous avez déjà lu des livres de développement personnel? Quel est le livre préféré? Le vôtre? Est-ce que vous avez songé peut-être de le relire une seconde fois, peut-être une troisième fois, une quatrième fois? Cette lecture va vous permettre d'aller dans les couches et vraiment dans les compréhensions fines si ce livre vous a plu et avait déjà certainement apporté des clés et de bien-être. Lisez, même si c'est quelques pages ou même si c'est un paragraphe. Ça peut changer votre vie, votre état d'être sur le moment. Et donner à votre vie une nouvelle direction ou bien augmenter votre bien-être. Voici pour aujourd'hui quelques clés. Donc, marcher, respirer, danser, lisez, créer, fréquenter vos amis, aller manger avec eux, baladez-vous dans les endroits magnifiques, prenez soin de votre intérieur, de vos vêtements et de votre maison. J'étais ravie de vous en parler et surtout, prenez soin de vous.